bienvenue sur la chaîne Sporting Club, la chaîne où on joue à des jeux de sport. Oui, alors il y a du FIFA, mais peut-être qu'il y aura du NBA et tout ça. Hein. On verra en fonction de la réussite de la chaîne. Alors, dans le centre de formation, on a quelques jeunes joueurs qui ont bien progressé. Donc, on a gardé que les meilleurs pour l'instant. Et certains qu'on a gardés parce que je me dis que de toute façon, même avec 89 de potentiel, en les faisant beaucoup jouer, peut-être qu'ils pourront dépasser un petit peu ce statut et pourquoi pas progresser un peu plus, atteindre 90 voire 92, ça pourrait être sympa. Et puis ça fait quand même des bons remplaçants quoi qu'il arrive, 89 de général, ça fait un excellent remplaçant, ça fait un joker de luxe, un joker de luxe. Voilà grosso modo, donc mettez pause si vous voulez voir un petit peu les potentiels, éventuellement... voilà, vous mettez pause, vous regardez, vous faites-vous plaisir. Ensuite, pour ce qui est de la saison, on a vu ensemble sur la chaîne, a été diffusé le premier match de championnat d'ouverture où j'ai gagné 3-1. Et ensuite, j'ai simulé tout ça, donc j'ai perdu, premier match de coupe perdu, ça c'est un peu embêtant par contre. On a perdu un match, mais on a gagné tous les autres. Donc, c'est plutôt inattendu. Et j'ai attendu la fin du mercato pour installer donc des recruteurs qui sont allés chercher. Et on va tout de suite sur le match. Je vous dis à tout de suite. Je coupe pour la cam. Hop, regardez, c'est magique. C'est un match voilà. Unique que nous allons vous proposer aujourd'hui. Je vous disais donc un petit changement stratégique. Non, il a gardé son sang-froid, le gardien. Voilà. Vous avez vu là. Vous avez vu comme. Parce que justement, le 7 est revenu au milieu de terrain. Un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, il peut centrer. Le gardien qui repousse. Une récompense pour ces joueurs d'occuper la tête du classement à l'issue de cette journée. Non, mais c'est pas ce qu'on veut en fait. Voilà. Bon, heureusement qu'il est picaré. Dans ce dernier geste, il était tout seul face au gardien. C'est vrai qu'il doit jouer à Lyon. Ouais, je blague. Supporter lyonnais. On ne voulait pas. C'était juste un joke. Bon, alors là. Il y a hors-jeu là. Là, il y a hors-jeu. Mais non. What the fuck. Il va risquer des trucs chelous à ce jeu. Voyez. Là, le bloc qui monte, hop. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Allez, par-dessus, pas mal. Oh, j'aurais dû la mettre à terre. J'ai hésité. J'aime beaucoup ce style de jeu très, très sud-américain. Dans ce match, à mon avis. Très hispanique. Ça peut nous donner une idée de. Tout seul face au gardien. Poum. Et oui, le but. Il ouvre le score. Le corner est tiré au cœur de la surface. Ouf. Oh, c'est un but. Ils reviennent à la marque. Allez, joli. Jolie tête. Un corner qui se solde par un but. On est en train de revoir tout ça. Il échappe au marquage. Juste le temps de mettre son coup. Est-ce qu'il risque de perdre le ballon, là? Ah, c'est bien donné. Attention. Oui. Qui donne l'avantage à cette équipe. Voilà, c'est parfait ça pour cette équipe, ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un. Allez, prendre l'espace là. Allez, Weber. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Oui, vraiment. Cette reprise de la tête. Ouais, peut-être, ça doit jouer. Il a failli faire le hat-trick. C'est quoi cette tête? Comment peut-on faire une tête aussi? Oui. Oh, il est passé, il y a danger. Allez! Oh, le but! Magnifique! 3-1. Le stress. Quel magnifique jeu de passe pour arriver à ce. C'est démarquage images, complet, vous avez vu ça, bon dans jeu. Un espace serré. Elle leur coûte cher. Ouais, après ça va très vite, hein, mais le buteur signe un bel exploit individuel. Donc là, c'est pour ça que j'aime jouer en bloc serré comme ça, c'est très, très gratifiant d'arriver à passer une défense comme ça.
c'est la fin. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo avec Arrowgate, un centre de formation uniquement. Je vous invite à voir une de la vidéo de bien évidemment de FIFA Légende. Donc là c'est sur Carlos Valderrama. Je fais une vidéo par jour, tous les jours à 19h30. Je vous invite à venir nombreux, à partager la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis prenez soin de vous et de votre famille. À bientôt. Bisous. Ciao.